Salut YouTube, c'est grand bien, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un jeu dont je suis fan, alors fan de la licence évidemment, donc je suis très fier de vous présenter ce jeu. Et là, j'avoue que du coup, c'est un plaisir que j'ai là, vraiment. Il y a des fois, j'ai pas de plaisir à vous montrer certains jeux, attention. Star Trek Resurgence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Star Trek? Eh bien, c'est un jeu d'aventure avec des petites phases d'action. Faut pas s'attendre à un truc de fou. Et en fait, c'est des actions ou bien même des dialogues à choix multiples pour pouvoir avancer dans l'aventure un petit peu de différentes manières. Bon, voilà, on va voir ça ensemble. En attendant, je vous invite toujours à liker, vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Un petit tour chez mon partenaire GamesGo si le cœur vous en dit pour faire des économies dans vos différentes plateformes de streaming, hein, Netflix, Paramount+, même YouTube Premium et puis Spotify, bon bref. Là, pour moi, c'est vraiment un jeu où je vais me faire plaisir. Je vous le dis, peut-être que la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que prévu, parce que, encore une fois, c'est un jeu que j'aurais pu vous présenter, par exemple, sur Twitch, comme ça, vite fait, pour se dire, voilà, on va faire un jeu ensemble. Peut-être que ça arrivera, hein, sait-on jamais. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un jeu d'aventure. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin, on est en 20 watts, il n'a pas eu de très bonnes critiques, mais comme je le dis très souvent, c'est pas parce que y a un jeu qui a, je sais pas moi, 20 sur 20, qui est forcément un jeu que vous aimez. Moi, il y a beaucoup beaucoup de jeux qui se font détruire dès la sortie. Bon, Robocop, ça va à peu près, hein, bon, il n'a pas eu des très très grandes belles critiques, mais par exemple Robocop, moi j'y joue par nostalgie. Parce que je trouve que le jeu est plutôt bien réalisé. C'est sympa, c'est cool, ça me fait passer un petit moment. On est tranquille, et puis le jeu il est à 40 balles. Moi je me dis que ça va. Bah, il y a des petits jeux comme ça, voilà. On est tous un petit peu concernés à un moment ou à un autre. Là je suis un petit peu concerné, j'avoue. Le jeu fait 30 euros. Alors il va arriver sur la boutique Steam en version officielle, je crois dans le deuxième trimestre 2024. C'est un jeu qui n'est pas très bien optimisé, qui a pas d'action pure et simple. Regardez, la seule action, c'est celle-là. C'est celle d'appuyer au bon moment sur les bons boutons. Mais c'est pour l'histoire. Des fois, voilà, c'est une sorte de jeu d'aventure, donc il y en a qui trouvent leur bonheur. Voilà, regardez, hop. Il y en a qui trouvent leur bonheur dans Elden Ring, parce qu'il y a de l'action, mais en plus de ça, il y a une belle histoire. C'est bien structuré. Ou même encore ceux qui jouent par exemple à Final Fantasy. Moi, je préfère ce genre de jeu-là. Voilà. Donc d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va réduire un petit peu. Parce que là, je pense que pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très gros à l'écran. Les séquences vont tourner, je pense, hein, autour de 20-30 FPS. Faut pas espérer plus. Après, c'est des scènes, vous avez vu, qui sont un petit mélange de cinématiques et autres. Ah, et là, on arrive sur le Spatiodock. Magnifique, hein. On peut voir aussi un vaisseau qui ressemble beaucoup à l'Enterprise. Alors, j'espère que l'affiche vous aura fait plaisir. C'est moi qui ai expressément demandé, voilà, Star Trek Resurgence. C'est moi qui ai demandé à Olivier, hein, de mettre une vignette aussi jolie comme ça. Ah, c'est vraiment un pur plaisir, je vous assure, que de jouer à un jeu comme ça. C'est des moments rares dans mes vidéos. Alors profitez-en. J'adore, je kiffe. J'adore cette licence. Et on va y retrouver tous les petits ingrédients de la série. Et puis des films, hein, surtout aussi, hein, des films. Alors on est plus vers du Star Trek Next Generation que des premiers Star Trek, hein, qu'on avait avec le tout premier Enterprise et William Shatner en Capitaine Kirk. Là on est plus, j'ai l'impression, dans du Next Generation. Alors c'est dommage parce que c'est sous-titré français, c'est pas parlé français. Ah, c'est le seul truc, bon c'est chiant parce que j'aime bien en même temps regarder les personnages. Qui sont pas trop mal faits, je trouve, ça va. Ça aurait pu être pire, on va dire,
Je vous le dis tout net, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas le jeu de l'année. Hein. Alors ça blablate beaucoup, bah oui, forcément, c'est un jeu d'aventure. Et puis il y a des petits jeux de. En tout cas, des petites phases de vaisseau. D'arrimage, je crois, d'évitement de météorites ou des choses comme ça. Il y a aussi des phases de tir. Mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas non plus la folie furieuse. Regardez, hop là, je dois aller jusque-là. Jusqu'ici. Et puis d'actionner avec la gâchette droite. Yeah! Eh oui, c'est moi, Jara Rydek. Captain. On peut pas passer les dialogues, on est obligé de se les farcir par contre. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc on va pas non plus tous les dégager. Alors apparemment, soit on est social, soit on est hyper agressif, hein, soit on est. Je pense en mode normal, et je pense que l'histoire doit changer aussi, hein, en fonction d'eux. Et puis même les approches des personnages. Alors, on va. Hop, on se promène dans le spatio-dock. On peut courir. Il faut que je trouve le commandeur Urmot. Ok, commandeur. Alors, je suis commandeur, je suis pas capitaine. Alors, si je passe entre les deux, est-ce que je peux? Je peux pas. Ouais, on est quand même limité. Ouais. Est-ce que je suis pas passé par là? Oui, graphiquement, c'est ce que je dis, c'est pas non plus super moche. Hein. Excuse me. Ah, lui, il a un truc qui se. Hop. Il est tout bleu. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, la Fédération. Il y a beaucoup, quand même, d'extraterrestres hein, dans la Fédération. Allez, on prend l'ascenseur. Je vais vous mettre, quand même, le petit 25 watts. Non, j'ai 30 watts de turbo. Bon, je vais mettre 30 watts de turbo, mais ça m'étonnerait. Ouais, je vais changer un peu. Inutile de me flatter, monsieur Urmot. Couleur schtroumpf. Ah, je vais voir mon vaisseau. Oh, il est pas mal. J'aurais préféré un vaisseau qui se rapproche vraiment de l'Enterprise. Là, c'est. Ah, ben, c'est le Resolute. Je sais pas si on pourra évoluer dans les vaisseaux aussi. Je sais pas. Il est joli. Il est joli, il a de la gueule. Il a de la gueule, mon vaisseau. Ouh, je vais devoir faire mes preuves, les gars. Attention, ça rigole pas là. Captain Solano. Mais bien sûr, je vais devenir capitaine d'un vaisseau, moi aussi. Alors, l'impact du choix. Ah bah oui, vous voyez, ça y est, donc voilà, là, ça a des impacts. Forcément, ensuite, je peux mettre les commandes, et puis je peux revenir au sein des paramètres. Par contre, je ne peux rien changer vraiment dans les paramètres. Hein. Voilà, donc en fait, ça va me dire si oui ou pas je les ai dans la poche. Ça, c'est cool. Voilà, hop, oui, bah, il y a des actions comme ça qu'il faut faire de temps en temps. C'est pas un truc de ouf, mais bon, il faut le faire. C'est coincé, oh mon dieu. Heureusement que je suis là. Alors, la torche à plasma. Ah, ça doit être ça. Je l'allume. Attention, ça rigole plus. Ici. Ah ouais, excellent. D'accord. Alors, excellent. Pour moi, c'est excellent. Nickel! Et hop, je tourne. Mission réussie, Captain. Par contre, il va pas plus loin que 30 FPS. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment bloqué à 30 FPS. Donc, pour le coup, je pourrais laisser juste à 20. Et hop. Je remets dedans. Et je pense que. Voilà, j'actionne. Mission réussie. Ah, ça met en place des personnages. Je pense très important, hein, l'équipage déjà du vaisseau. Alors, les personnages, bien sûr, ils sont un petit peu rigides. L'espèce de Galiléo derrière.
Paraissent un peu rigides les personnages quand même, mais je fais abstraction de ça en fait. Là j'avoue, ouais. J'avoue franchement je fais abstraction là. Parce que c'est Star Trek, hein, uniquement. Suivez Etzilar. Oh, on retrouve tous les trucs des films. Hein. Ça c'est génial, les couloirs et tout. C'est super. On va se retrouver sur la passerelle. Ah. C'est l'ingénierie. Que c'est joli, mais alors que ça rame. Ouais, ça rame. Tiens, tiens, tiens. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Enfin, pour ceux qui connaissent, en tout cas. Un Vulcain. Alors, nous sommes donc irremplaçables, etc. Allez, on va s'excuser pour le retard, parce que... Ouh, je vais travailler à l'extérieur. Ouh, génial. Je vais déjà faire une sortie spatiale. Ça, c'est cool, hein. Direct. En tout cas, j'espère juste que... hop, j'espère que ça sauvegarde automatiquement. Allez, semelle magnétique activée. Avec la petite musique d'action qui va bien. Bon, de l'action à la sauce Star Trek. Hein. Waouh, je vais sortir dans l'espace, les gars. C'est énorme. Waouh, génial. Waouh. Excellent. Ah, c'est dommage que ça rame, hein, vraiment. Hein. Moi, je surkiffe comme ça les trucs quand on est fan de manga, quand on est fan de films, quand c'est superbe. Ils ont mis le même enthousiasme sur la vue du vaisseau, etc., qui est très important dans Star Trek, pour ceux qui connaissent. Ah, c'est dommage. Ah, j'aurais bien aimé marcher. Ah, petite déception, là. Je commençais à avoir une demi-molle. Ah oui, d'accord, bah oui, c'est une extraterrestre, donc elle a quelque chose de très particulier. Ok. Là, je suis chez moi, c'est ma chambre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau de mon bureau. Alors déjà, nous avons un... Franchement, un vieux 26 FPS. Ah, franchement, ça fait de la peine à voir. Ça me fait vraiment de la peine pour un jeu aussi peu gourmand. Alors après, je peux toujours monter à 30 watts, mais... ouais, même redescendre un peu à 720p. Hop, 20 watts. On va voir ce que ça va donner, hein. Normalement, j'espère quand même plafonner à 30 FPS. Sinon... Ça serait chaud quand même. Hein. Puis bon, un jeu comme ça en 720p, c'est pas non plus la mort. Ah ah, le capitaine! Salut, capitaine! Ouais, il a une tronche sympa. Hein. Plutôt bien fait. Là, on est vraiment, on stagne aux 30 FPS. Alors, sachez aussi que j'ai précommandé la Z1 de chez Asus. On va voir avec le fameux AFMF. On pourra avoir des bons résultats, franchement. À voir, hein. Surtout que des jeux peuvent être atteints avec le Z1 sans chercher des performances de dingue. En 720p à la base, en 30 FPS, largement, je pense, hein. De toute façon, je vous ferai le test. Mais je pense que ça serait intéressant de voir surtout le 720p avec l'AFMF. Allez, c'est parti, on part en mission. Je suis le nouveau capitaine. Et on va aller sur la passerelle. Un beau moment, ça. Oui, donc là, on est plus sur du Star Trek Next Gen, que j'aime un peu moins. Bon, voilà, moi, je suis un vieux de la vieille. Hein. Moi, je suis des années 80, alors forcément, je suis plus dans les anciens Star Trek.
Voilà, je suis numéro 1. Super, avec le tableau de bord en ronce de noyer là. Oh là là, attention, je m'assois sur le fauteuil du capitaine, mon gars. Tu peux pas t'imaginer. Ça, c'est cool. Accorder la permission. Je vais pouvoir me retrouver dans l'espace sur mon vaisseau. J'en attendais pas moins. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas voir un petit peu plus autour. Là, on voit le réacteur, mais on voit la base. Le spatiodoc. Mais par contre, je vois pas. J'aurais aimé voir vraiment. Ah, si on peut tourner un peu. Oh, peut pas tourner beaucoup. Hein. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir la coque d'un peu plus loin. Ou... Ah, ici, quand même. Ça va. Ah, ça y est, je l'ai dans ma poche. La classe. Waouh, la classe, le vaisseau. Ah, ça ramouille. Hein. Pourtant, 720p. Allez. Hop. Hop. Alors, je prends l'outil qui va bien. Ouais. C'est bien. Commander Westbrook, right? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. Impressive. D'accord. Yes, I'm the chief science officer, and I have the dubious honor of being the most senior officer. Très froid, hein, le rapport là. Better than just about one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but bah, il est vachement sympa ce gars-là, décidément. je ne peux pas le remplacer, effectivement. De toute façon. Et oui. Normal. Ouh, alerte rouge! Red alert! Mon dieu, que se passe-t-il? Ouh! C'est le Nexus ou quoi? Tracing its trajectory. Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves. And if my projections are right, we're about to get hit by a wide band burst of. Ah, des fois, y a pas de sous-titres. Bon, ok, t'es obligé de te débrouiller tout seul. Alerte rouge! Ah, exactement comme dans les films. Excellent. Allez. Attention. Attention, envoyez l'onde à mon commandement. Attention, attention, attention. Maintenant. Yes. Accrochez-vous. Est-ce que c'était le bon show ou pas? Ouf. Ouh, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Ah, ça c'est dangereux.
This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous imbalance. That can blow out every primary system on the ship. Just tell us where you need us. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the port nacelle plasma regulator. Ah, il y a un peu d'action quand même, hein, vous voyez, bon voilà, c'est pas juste du dialogue, hein, y a un petit chouïa d'action. Oh, dis donc, on est monté un petit peu en matière de FPS. Ah non, enfin, c'était qu'un court instant. Ah non, ça remonte là. Ah, c'est marrant ça. Au début, on était à 30, puis maintenant, on repasse à 60, ouais, 40, ouais, enfin, j'exagère un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là, dans tout ce bazar là. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Nickel. Ah. Et je le remets là. Bon voilà, rien de compliqué. Alors, il y en a qui vont rigoler quand ils vont voir cette vidéo, ils vont se dire, il est content d'avoir un phaser dans les mains. Bah ouais, je suis content. Ah, là aussi je suis content, parce qu'on est en mode, on va dire en mode libre. Voilà, allez, un coup de laser, là. Oh, je sais pas, super bien visé, hein. Heureusement qu'elle est là pour m'aider aussi, hein. Ah, j'ai perdu une étoile. Est-ce que ça va? Ouais, ça va vite fait. Je saigne un peu du nez, mais tout va bien. Oh, vache. En fait, ils sont partout. Laisse ma copine tranquille, toi. Il reste 24 mètres, là, j'ai l'impression de traverser tout Paris. Ça fait cher du mètre, hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, il en reste plus, là, ça y est, c'est bon. Ah, si. Bon, alors, ça va. Ouf. Ah, il ne me reste plus qu'une vie, là. Enfin, Ouh, il y a plein de manivelles, là. C'est génial. Clac. Allez. Clac. Et hop. Bien joué. Voilà. Je pense qu'on est bon. Électroplasmique. Nickel. Ouh là là, je sens le truc... Je sens le truc, il a explosé, quoi. Ah ouais. Ah la vache. On est désarimé. Ouf. Attention, Bobby. Ah oui, donc action réaction quoi. Alerte rouge, alerte rouge, alerte au FPS. Alerte au FPS, alerte au FPS. 10 FPS. Oh mon dieu, que se passe-t-il? J'ai pas trop le choix, hein. Je vais devoir me protéger, les gars. Bah ouais. Allez, ramasse-le. Allez, dépêche-toi. Ah, il y a encore eux, là. Oh. Coup de phaser. Allez, dégage. En plus, ça m'a aidé. Trop puissant. Oula. Oula, oula, oula. Ouh, ça fait mal, ça.
ça bouge, capitaine, ça bouge. Ouh, c'est le bordel là dans le vaisseau. Allez mon gars, allez. Ouh là là. Allez, 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 allez. Ah, faut rester vraiment au milieu. Ah oui, aide-moi, copine. Copine de moi. Allez, ensemble, on y arrivera. Ensemble, nous sommes plus forts. Attention. Ouf. Voilà, patate qu'elle s'est pris. Mais je la rattrape. Viens par ici, copine. Allez, ciao. Ah, parfois il manque les sous-titres, c'est chiant. Enfin, c'est chiant quand tu parles pas l'anglais, couramment. Allez, on avance. Avance avec la meuf qui... Aïe! Qui est accrochée à moi, là. Ah, c'est chaud, hein. Ah, elle est réveillée. Cool. Oh, c'est chaud. Oh non. Ah, pourtant j'ai cru que j'étais assez rapide. À moins que ça fasse partie du jeu. Je suis le meilleur, capitaine. Ah, donc on va peut-être commencer à décoller. Oh là là, c'est horrible comment ça... Comment ça fluctue là entre 10 et 20. Et ça a vraiment du mal, c'est vraiment dommage, ça massacre un petit peu le jeu en fait, l'immersion. Ça, je trouve que ça, c'est dommage, ça gâche un peu l'immersion. Allez, on désengage. Ah. Ah, j'adore ces moments-là. Avec la petite musique qui va bien et tout. Franchement, je kiffe. Je surkiffe. Ils ont pris vraiment les codes des films. Ils ont repris vraiment ouais, l'identité des films, même dans les dialogues, etc. Je trouve qu'ils ont repris quand même pas mal de trucs des films. Plus des films que de la série, d'ailleurs. Super sympa. Ouais, comme ça, avec l'approche directement dans la passerelle. En avant toute. Excellent. Allez, c'est parti. Ouf. Oula. Là, il y a du météorite, les enfants. On vient de sortir de... l'hyperespace et oula, ça rebondit sur la coque. Ah, attention, là je pense qu'il va y avoir de la sortie spatiale en navette, je pense. C'est possible en tout cas. Hop là. Ah oui, voilà. Donc je pense, hein, je pense qu'il va y avoir, récupération d'une navette. Je pense pas qu'on puisse la transférer
Directement, et voilà, le téléporteur doit être HS. Bon, ok, donc... voilà. On va aller la chercher. Yes. À chaque fois, ils intègrent des nouveaux personnages comme ça. C'est cool. J'aime bien. Ah, c'est de l'USS Excelsior. Non. D'accord, donc il y a des liens directs avec... avec les films. C'est très bon, ça. Voilà, hop. Ça la remet normale. Ah, bah tiens. Évidemment. Allez, dégage. Le deuxième. Oh là là là, vite, 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 avant que le troisième, il percute. Ouais, il faut être vachement attentif quand même. Mais ça va, ça reste facile. Ouh, celui-là, il est big. Il est big. Ouais, ok. Hop là. Voilà. Ça, c'est bon. Oh bon sang, il y a de l'action. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Allez hop. Viens par ici. Ah, il n'y a pas de sauvetage avec une navette directement. Ah, j'aurais aimé partir dans l'espace pour le faire. Bon, vous avez vu les tubos, hein, c'est vraiment plus une histoire qu'autre chose, avec de l'interaction à certains moments, questions à, ou même réponses à choix multiples. Donc c'est assez cool, c'est tranquille. Si vous aimez bien la licence... ça peut être vraiment sympa, le seul problème c'est que ça rame un peu. Vous avez vu, même si on met par exemple à 30 watts, 720p, bah c'est pas super. Mais je pense qu'il faut pas se baser là-dessus. Tiens, c'est l'ambassadeur Vulcain. On dirait Spock. Bah oui, c'est Spock. Ah bah voilà, bah on termine sur Spock. C'est quand même cool ça. Ouais, tu bosses. Bah dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, pour moi, c'était vraiment un pur kiff de vous proposer ce jeu-là. Voilà, puis c'est des petits jeux comme ça, des fois, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi, j'aime bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement Netflix et autres, grâce à GamesGo, mon partenaire, et à mon code promo PSDFR, qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement Netflix et 2% sur les autres abonnements, tu auras les meilleurs prix du marché. Alors n'hésite pas, c'est légal, c'est pas cher, c'est sans danger. Utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo PSDFR.